tout le monde, c'est Borom, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 en solo, comme je l'avais prévu. Petite vidéo aujourd'hui, je suis pas content, je suis assez triste, tout simplement parce que j'ai pas pu réinstaller la promode. Quand on installe la promode, il faut aller sur le site promode et puis il vous envoie vers les liens de téléchargement qui sont avec un site bizarre, sauf que quand je mets passer l'annonce, j'arrive sur un autre site d'annonce, j'arrive pas à avoir le téléchargement, j'arrive pas à avoir le lien de téléchargement, donc je ne savais pas télécharger. Pourtant elle est compatible, hein, mais je n'ai pas su la télécharger. Ça c'est très très chiant, donc je sais pas, je vais essayer déjà jusqu'à la semaine prochaine, je vais essayer de la remettre en jeu, parce que c'est beaucoup mieux quand c'est en jeu. Je sais pas si ça va aller, sinon j'essaierai de trouver une autre map, la Truxim map ou la Truckers map, je sais pas. Ok. Donc aujourd'hui on a un petit Renault Magnum. Voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai plus utilisé le Renault Magnum. J'ai utilisé un Renault Magnum là il y a 2 ans avec un Magnum, c'est tout. Sinon je prends jamais de Renault. C'est vrai. Et on est avec un convoi exceptionnel avec les essieux directeurs derrière. Enfin, et eh oui, enfin, et on va directement partir. Je vais juste mettre le petit F6 pour que vous voyez vers où on va. On prend des pièces métalliques incurvées, enfin une plus précisément. On va jusque Marseille. On va jusque Marseille, voilà. Jusque Marseille. On n'a pas beaucoup, hein. On a 200 km, je pense que ça ira. Oh putain, je suis obligé de le mettre. Oh non, j'aime pas ça. Et j'ai calé parce que. Hein, voilà. Bah oui, me laisse pas passer, toi, hein, con. N'importe quoi. J'ai déjà remis un mode de trafic de Jazzycat. Un mode de Jazzycat, donc pour les bus, je pense que c'est. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai remis pour le moment parce que la mise à jour s'est faite hier. Et donc c'était, ça a été un peu compliqué pour que je sache faire ce qu'il fallait. Par contre, le son est pas très fort. Peut-être remettre le son. Attendez, hop. Je vais remettre un peu le son plus fort si je l'avais rebaissé. Voilà, hop. Hop là. Ah là, c'est mieux. Là, vous allez l'entendre normalement. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? On va tout simplement parler des séries de la chaîne. Donc, j'ai trouvé enfin ce que j'allais faire parce que j'arrête les découvertes de mode. Parce qu'il n'y a pas de mode ouf qui sortent pour le moment. S'il y a des modes qui sortent, je ferai des vidéos, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas. N'importe quoi. Il n'y a pas de mode vraiment super qui sort en ce moment. Donc c'est pour ça que je vais arrêter. Et donc je vais vous expliquer un peu la semaine. Donc le lundi, une vidéo gaming. Avec parfois peut-être que je vais faire du City Skyline. Voilà, du City Skyline que je vais mettre de temps en temps peut-être. En tout cas, il y aura du Warface, du War Thunder, du World of Warship, World of Tank, tout ça. Le mardi, c'est soit les petits paysagistes, soit Borom Bûcheron. Après, on verra si on fait du maraîchage, si on fait autre chose quand on arrêtera Borom Bûcheron. Parce que Borom Bûcheron, on va pas encore en faire pendant 50 épisodes. Parce qu'après, ça tourne en rond. Là, on va amener tout et puis on verra. On verra ce qu'on doit faire après dans les vidéos. On verra, on réfléchira avec Johan. Le mercredi, c'est de l'OMSI 2. Voilà, OMSI 2 qui refonctionne enfin correctement. J'y suis refait. Par contre, j'aimerais bien faire une truc multi. Voilà, tu me laisses passer, merci. Une entreprise en multijoueur. Mais le problème, c'est qu'il faut 100 000 euros. Et j'ai pas 100 000 euros. Et je sais pas si le multi est connecté au solo. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sais pas si. Si le multijoueur. Si le multijoueur dans MC2 du DLC
est en lien avec le solo. Parce qu'en solo tu gagnes de l'argent et en multijoueur tu gagnes de l'argent, mais je sais pas si en multijoueur ou en solo c'est exactement la même chose. Parce que sinon là je fais tout en solo, je monte de grade, tout ça, et puis je vais en multi, mais je pense que c'est séparé, c'est ça le problème en fait. Donc voilà. Ensuite, pardon. Le jeudi c'est. Qu'est-ce que c'est le jeudi? Ouais, le jeudi donc ce sera une vidéo sur Borger Sea, je pense que ça s'appelle. La map que j'ai présentée en vidéo, là que j'ai découvert en vidéo, parce que c'est vraiment une map de ouf. Voilà, avec Johan on est occupé de préparer. On est occupé parce qu'en fait je vous explique le truc. Attention, je me rabats. Il faut absolument du bois pour faire. En fait, il faut du bois pour mettre dans l'usine. Et dans cette usine qui va créer de l'électricité, l'électricité qui va être créée pour entièrement toutes les usines, les autres petites usines de la map. Donc en soi, il faut que je fasse des copeaux de bois. Pour ça, il faut aller couper du bois. Donc on a déjà amené le matos, on ira faire ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on va aller couper le bois. On ira déjà mettre plein de copeaux. On va déforester, je sais pas comment ça se dit. Toute la forêt, on va replanter, on va avancer le temps, on va recouper. Enfin, on va faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bois. Pour qu'il y ait pour qu'on ait assez pour faire de l'électricité pour toute la map. Comme ça après on peut faire entreprise par entreprise. En fait on essayera d'un épisode on fera un truc spécial. Par exemple dans un épisode on peut faire des nettoyages de tubercules. Eh ben on fera ça dans un épisode que du nettoyage de tubercules pour vous montrer un petit peu le nettoyage des tubercules. Là en fait je vais faire le screenshot ici, c'est pour ça que je m'arrête. Et je vais aussi refaire le plein. Parce que il nous reste pas tellement de trucs. Et donc on fera une entreprise, un épisode. Par exemple, il y a une entreprise où on peut faire du pain, par exemple. Et bien, celle-là, ce sera en un épisode. Hein. Je sais pas ce qui a été noté, mais c'est pas grave. On fera un épisode consacré à ça. On va aller par là, tiens, on va aller voir. Ça a l'air joli. Oh là. Attendez, regardez. Je pensais que j'allais pouvoir faire le screenshot là, mais non. C'était pas beau. Par contre, là, je fais exprès. Hein. Là, on va le faire vite fait, comme ça il sera fait. Ouais, je sais, ça se fait pas, machin, machin, mais voilà. On verra hein, si on sait en faire d'autres. Voilà, c'est joli ça. Ouais, c'est joli. Et donc, hop, on va y aller, hein, parce que c'est pas le tout, mais on a de la livraison à faire. Donc voilà, et comme cette map est très très grande, et il y aura peut-être des épisodes où on fera que de l'agriculture, hein, c'est possible aussi, ou du bois, ou hein, quelque chose qui change un petit peu de truc. Mais avant qu'on ait fait tout, il y aura un paquet d'épisodes parce que franchement des entreprises il y en a un bon paquet. Il y a un bon paquet d'entreprises sincèrement. C'est très complet. Malheureusement on tourne qu'à 30 FPS, 30 images secondes maximum. Donc ça il faut en fait je pense que c'est la map qui est calée à 30 FPS parce que il y a énormément de choses et donc sinon vu que la map est très grande, très complète tout ça. S'il l'aurait mis à 60 FPS, c'est possible que ça aurait fait bugger ou que ça aurait bugué complètement, je sais pas. C'est pour ça que. Voilà quoi. Il faut qu'on fasse à 30 FPS, j'enregistre aussi en 30 FPS, c'est pas un problème. Hein. C'est pas très grave. Un payage, génial, j'adore les payages. Surtout qu'on paye hyper cher ici. Ça c'est bien, enfin. Moi je trouve qu'en Belgique, il faudrait. Des péages et qu'on refasse les routes complètement parce que les routes chez nous elles sont dégueulasses.
On a des trous partout, des nids de poules, des trucs insupportables, vraiment insupportables. Du coup, mettre des péages et investir là-dedans, ce serait très 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 intelligent, très 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 intelligent. Malheureusement, les politiciens ne sont pas assez intelligents pour faire ça. Oh, c'est sympa quand même. Je découvre un petit peu. Vous allez rire, mais j'ai acheté une cellule en France et je l'ai jamais découvert sans mode. Sans la pro mode, genre. Je tourne toujours avec la pro mode ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai jamais, et ça j'avais jamais vu. Enfin, cette espèce de petit macadam comme ça, un petit peu fait bizarre, j'avais jamais trouvé. Donc je continue donc pour le jeudi, donc ce sera sur ça. Et on verra, soit en solo, soit en multi, la plupart du temps ce sera en multi à mon avis. Et le vendredi, c'est bien évidemment du spin tir. Voilà, spin tir et autre chose, je sais pas encore quoi, mais pourquoi pas spin tir une semaine et un autre jeu une autre semaine, parce que je l'avais dit, du spin tir toutes les semaines, c'est beaucoup, c'est très très beaucoup, c'est énormément, surtout quand je suis tout seul. Donc voilà, je ferai peut-être un autre jeu, pourquoi pas faire spin tir City Skylines et comme ça on regarde le multi pour le lundi. Ce serait aussi une idée. Après, des idées, j'en ai plein, hein, mais voilà, c'est. Je me dis que ça pourrait être intelligent. Et le samedi, c'est du Euro Truck Simulator 2. Voilà, donc comme aujourd'hui, par exemple, ce sera soit du multi, soit du solo. Ça dépend un petit peu de mon envie, des modes. Si j'ai vraiment envie de jouer en solo, ben je joue en solo. Comme aujourd'hui, j'avais vraiment envie de jouer en solo. Alors, je me suis dit, je joue en solo, mais je pensais pas que la 1.28 allait sortir. Cette semaine, j'aurais préféré qu'elle sorte un peu plus tard. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Elle est sortie. On a des doubles remorques que je devrais essayer de faire, malheureusement. Je sais pas si je vais savoir, il faudrait essayer. Hein. Mais voilà quoi, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Et le dimanche, c'est la série solo donc, que j'ai changé. Parce que j'ai eu des problèmes avec ma map, avec mes mods. Je tourne à 25 FPS, merci, mais bof, bof quoi. 25 FPS, normalement je tourne à du 60. Donc bof bof, donc on a changé et j'ai changé et je suis parti sur le bout du monde, voilà, pour la série solo. En plus il y a une ou deux cultures en plus que de base, donc comme ça fait un petit peu plus de choses différentes. Et je vais essayer d'avancer un petit peu déjà, comme ça on commence pas de zéro. J'ai pris du petit matériel, j'ai pris le matériel juste qu'il me fallait, pas trop gros, pas trop petit, un petit peu les mêmes que de base, j'ai juste inversé avec des mods comme j'avais dit que j'allais faire. Et donc ben voilà, c'est fait et ben, ce sera commencé exactement demain. Demain, on commence la série là-dessus. En forme, chaud patate et tout. Vraiment parce que cette map est très très belle et je tourne à 60 images constant, 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 constant. Et ça c'est vraiment top parce que tourner à 60 images secondes, c'est quand même bien sympa. Et vraiment, même dans le corps de ferme, je tourne à 60, donc c'est bien sympa. Voilà, voilà pour ce que je voulais dire par rapport à la chaîne. Les lives, vous avez vu qu'il y avait deux lives par semaine, donc le mercredi et le vendredi ou le samedi. Cette semaine, ce sera encore comme ça, donc un live mercredi et un live vendredi. Non, un live samedi. Et un live mercredi et un live samedi. Par contre, à partir de la rentrée, à partir donc déjà de la semaine prochaine, donc cette semaine c'est encore ça, la semaine prochaine, je sais pas. Je sais pas si ce sera un live encore le mercredi. Parce que voilà, et de toute façon, à partir de la rentrée, ce sera un live le week-end, donc soit le vendredi soir, soit le samedi soir, dans les environs de 21 h. Ce serait bien si j'essaie de le faire le samedi, et si je sais pas le vendredi, même s'il y a NRJ5 qui le fait en même temps que moi. Mais voilà quoi, de toute façon, il y aura un live par semaine, soit le vendredi, soit le samedi. C'est à voir sur des jeux, le plus souvent c'est sur Farming, mais on peut changer de jeu aussi. Des fois, je change de jeu, hein. Je vais sur MC2, je vais sur ETS2. Ça change hein, selon mes envies, selon vos envies aussi. Des fois je demande un petit peu ce que vous voulez. Vous me dites. Et oh putain, c'est du 50 ici. D'accord, si tu veux. Donc ce petit Renault qui, ma foi, est fort sympathique. Il y a beaucoup qui critiquent le Renault. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est votre marque de camion que vous préférez? Parce que ça m'intéresse un petit peu de voir. Ce que vous préférez. Personnellement, c'est du. Moi, c'est Scania. Ouais. Scania ou Mercedes. J'aime bien le son du moteur de Scania, mais je préfère l'intérieur et enfin, le tableau de bord de Mercedes.
Ouais, c'est ça. Je préfère le tableau de bord des Mercedes, mais je préfère le son du Scania et de ce qui est du moteur, enfin de la vue externe du camion, du design du camion. Je sais pas parce que les New Actros, la MP4, ils sont très 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 beaux, mais aussi les Scania Streamline, ils sont très très beaux aussi. Donc je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment choisir entre les deux, mais en tout cas ça se joue entre Scania et Mercedes. Voilà, comme ça vous savez. Et les camions que j'aime pas du tout, c'est... Merde. Je suis en train de niquer mon volant là. J'ai enlevé un peu de cuir avec mes ongles. Merde. Ouais, et donc les camions que j'aime le moins, c'est les Iveco. Voilà, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'aiment pas les Iveco. Voilà. En même temps, les Iveco... Une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés, mais au démarrage, ils sont lents à crever. Donc c'est pour ça que les gens n'apprécient pas vraiment. C'est pour ça que les gens n'apprécient pas vraiment les Iveco. Et en plus, ils sont pas super beaux. On peut se le dire, les Iveco, c'est moche. C'est vraiment pas beau. Ils sont gris, l'intérieur est bizarre. Enfin, non, non, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Donc, j'aime pas les Iveco et les Renault après. Voilà le. Wow! Je suis vraiment un sauvage, les gars. Voilà, donc. Faut qu'on tourne. J'ai jamais découvert Marseille, voilà, donc on découvre ensemble Marseille en même temps sur cette map, sur cette série, voilà, c'est un peu ça. Et bientôt, on a 15 000 euros. On va pouvoir, pas bientôt, mais peut-être que si je fais un prêt ou quoi, je vais pouvoir m'acheter un camion. Donc dites-moi ce que vous voulez comme camion. Peut-être un qui change de l'ordinaire, pas toujours des Mercedes, pas toujours des Scania, peut-être autre chose comme du Volvo ou du MAN. Ou même un Iveco si vous aimez bien les Iveco. Moi, je dis rien, mais dites-moi vraiment en commentaire ce que vous voulez. Parce que ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. On va aller faire ça et puis on choisira la livraison prochaine et on regardera un petit peu les nouveautés que cette 1.28 a laissé. Donc il y a les doubles remorques, et juste les doubles remorques en soi, moi que je sais. Juste l'interface, donc l'écran de base du jeu a changé. L'écran de base du jeu a changé qui est devenu. Il est devenu plus cool, on est vraiment dans un vrai garage. Oh merde. What? Ouh! Je sais, j'ai mal roulé là, mais en même temps j'avais mon ralentisseur hydraulique qui s'était mis tout seul. Voilà, donc c'est pour ça que ça avait bugué. Il freine tout seul en fait. Ouais, le ralentisseur hydraulique. Et un ralentisseur de remorque. Ah, c'est tout. Ouais, je pensais. Je pensais que c'est ça le ralentisseur. Ouais, c'est pas mal, les ralentisseurs comme ça, ne pas utiliser tout le temps le frein, c'est intelligent. Je devrais essayer de rouler plus souvent avec, avec ces trucs-là. C'est vrai, vous avez raison. Donc pour la semaine prochaine, j'essaierai vraiment qu'il y ait une autre map, hein, parce que la map de base c'est bien, mais les paysages sont pas aussi beaux que la promo donc, que les autres modes, hein, franchement, que les autres maps, parce que c'est bon quoi. On va dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. On va dire qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc voilà, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous aimez bien comme camion et ce que vous aimez pas comme camion. Et voilà. Voilà. Donc on est un petit Renault. Ouais. En même temps, Renault, moi je vois pas trop ce qui est de mal à Renault. À part le son. Ah. Ce sont des clignotants sont dégueulasses. Moi l'intérieur ça va. L'intérieur j'aime encore bien. Et c'est propre, franchement l'intérieur il est propre, il est bien fait. Mais le Renault T-Range c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Franchement, si le T-Range, Renault Range T, il pouvait venir, il pouvait le mettre. Putain, il allait partir lui. Si seulement il le mettrait sur le jeu, mais ce serait ouf. Ce serait vraiment ouf parce que waouh. On est à un port, ouais, quand même. Ah bah oui, Marseille, oui, c'est logique. Dommage qu'on ait pas de journée, hein, merde. Punaise, il y a le port, il est tout beau là.
avec des bateaux et tout, et on peut rien voir. C'est chiant. C'est ennuyant. Bien, les petits décors, ils ont fait du taf hein, dans ce DLC. Ils ont bien taffé pour faire quelque chose de propre et de beau. Une lunette de transport, je sais pas trop quoi. Ouais, ils ont fait du propre. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose de propre quand même pour le. Pour le. Ouais, on va se garer comme ça. Bah ouais. C'est où qu'on doit aller? Ah, là-bas. D'accord. Bon, ça va le faire. Maintenant qu'on verra ce qu'on prendra. Oh. Oh, joli. Jolie, jolie celle-là. What? Ah ouais, merde. Ouais. Ah ouais, ouais mais non. Ouais, je dois complètement faire demi-tour là. Faut que je... Faut que je tourne comme ça. Puisque le truc est là-bas au fond. Juste me mettre. Ah oui. On va voir si je suis un pro ou pas. Ça craint un peu parce que c'est vrai que ça fait. Putain, et en plus je tourne dans le mauvais sens déjà pour commencer, c'est génial. Et que la roue qui tourne, c'est quand même bien. D'habitude je le fais complètement en vue interne, mais là ça paraît quand même un peu chaud là. On va mettre les. Merde, je touche. Hop, c'est bon. On va pas se mentir. C'est pas fabuleux, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est pas magnifique. Mais on a pu se jeter. Et voilà le désattelage de la remorque. 22 minutes, c'est magnifique, franchement. Progrès, progrès, d'accord, on a fait des succès, c'est bien ça. Ok. Et voilà, donc l'interface, donc on est vraiment dans un garage, il y a une madame qui bouge, c'est un petit peu animé, c'est sympa. Vous allez voir normalement la madame qui va, voilà, la madame qui arrive. Ah, ça sort sur son petit siège. Voilà, ouais, voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va aller dans un propos et on va aller dans liste des remords. On va regarder vite fait. Hop. Donc ça c'est le remorque de base, j'en ai pas encore. Wow, c'est nice quand même. C'est impressionnant. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on va voir. Non, on voit pas. C'est peut-être. Et ils ont fait des. Ils ont fait des. Genre des citrons. Ouais, ils ont changé, ils ont. C'est par exemple le plateau frigorifique, mais. Ah là! Dans le jardin? Oh non! Ah ah! Ouais, et ils ont pas montré, c'est dommage ça! Voilà! Blabla! Oh, c'est joli celle-là, tiens! Ouais, je sais pas, ils l'ont pas mis, tiens! Tête au remords bâché! Ah voilà. Regardez-moi ça. C'est joli. Propre. Propre franchement. Ouais, c'est propre. Pour la fiche. Y a pas un joli. Celui de tout à l'heure, celui-là il est beau. Ouais, c'est joli, c'est sympa avec la double remorque là. Je pense qu'ils remettent que ça en plus dans ce dans cette mise à jour, je pense. Après, on peut aller voir dans la liste des camions. J'ai des modes, enfin, j'ai un mode. J'ai le Scania T et j'ai le Volvo VNL. Voilà, le Volvo VNL qui est quand même vraiment. Les DAF, il y a un DLC qui est sorti l'autre jour, donc hier. À part ça, ils ont pas mis de nouveau encore. Ça va être avec le DLC Italia, je pense. Ouais. Après, est-ce qu'ils ont mis des trucs à l'intérieur? Axisme. Ouais, non.
Non, 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 ils ont rien fait de très spécial. Non, ils ont rien changé de. Ils ont rien changé de très spécial. Ah non, c'est 6. Ah, ils en ont mis des nouvelles. Ils ont mis des nouveaux trucs de couleurs différentes, tiens. Ah, bien sûr. Bien que. Si, celui-là, il y était pas, je pense. J'ai des modes aussi, donc. D'accord. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas trop ce qu'ils ont rajouté, mais bref, voilà, c'est sympa. On va vite prendre une mission rapide vers la prochaine fois. Faudrait partir de Marseille si c'est possible, vu qu'on a été. Non, de Marseille. Partie de Marseille. On va aller dans le prix, hein. Oui, c'est logique. Marseille, Montpellier, c'est ce qu'on vient de faire, donc ça, j'ai pas vraiment envie. Copeaux de bois. Ah, pourquoi pas en Volvo. Ouais, je pense qu'on va faire ça, tu sais. 200 km. On va la prendre et puis on va la regarder et puis voilà. Ce sera nickel. Hop. Le Volvo, c'est les tout nouveaux en plus. Enfin, c'est les nouveaux avec l'intérieur que j'aime bien. Ah ouais, d'accord, c'est une petite remorque comme ça. Ah ouais, la honte. Ouais, ça va, c'est cool. C'est cool, c'est joli. Donc ça, ce sera pour le prochain épisode. Moi, sur ce, lâche un gros pouce bleu parce que franchement, ça fait plaisir. Une vue, un like, ça fait hyper plaisir. Commente, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Moi, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de TS2. À demain pour une nouvelle vidéo. À mercredi pour un live. Allez, à plus tout le monde. Plus.